Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit à Segawa récent, puisqu'il s'agit du Regult Light Missile Carrier Type. Alors je vous l'avais dit en vous présentant le VF1J en Armored Valkyrie. C'est un kit qui me faisait envie parce que c'est une vraie nouveauté à Segawa. Le Regult au 1/72e, on ne l'a jamais eu que dans sa version IMAI de 1982-83, donc il y a déjà 40 ans. Très beau kit, hein, mais j'avais hâte quand même de voir ce qu'il était possible d'avoir avec un kit récent et une marque aussi réputée que Segawa. Il se trouve que le Regult normal n'est déjà plus disponible. C'est ce qui m'a conduit justement à me dire, bon, faudrait quand même veiller à se fournir justement les autres Regult avant que ça disparaisse. Et je me suis dit, de toute façon, le Regult normal, je l'ai déjà en IMAI. Ce que je voudrais, c'est les autres versions que Segawa, évidemment, n'a pas hésité à sortir, à savoir donc les versions missiles et la version Scout Type. Le Scout Type, rassurez-vous, ça sera pour bientôt. Je me le suis fourni aussi, voilà. C'était ma petite folie du mois de mai pour mon anniversaire. Et le fait est que je suis très content parce que, encore une fois, c'est un modèle en plastique, en tout cas inédit au 1,72. Je n'avais fait que les versions 1 centième il y a une éternité de ça. C'était il y a plus de 30 ans, peut-être 35 ans, que j'avais fait les Regult au 1 centième version ARI. D'ailleurs, étonnamment, les versions Missile Carrier et Scout Type d'ARI au 1 centième des Regult sont vraiment très bons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir ici. Et donc voilà, très content d'avoir cette version au 1,72. Et je vais me faire un plaisir de vous montrer ce que ça donne. Donc déjà, on voit que sur la boîte, c'est très clairement indiqué donc, que c'est pour les 40 ans de Macross, donc a priori 2022. Très très belle illustration, encore une fois. Donc, de notre ami Hidetaka Tenjin que nous avons reçu à Japan Tour Festival l'année dernière, justement, voilà, en 2022. Et vraiment, j'adore son travail, ses illustrations, c'est juste impeccable. Voilà. Hop, donc, pour le reste de la boîte, on a là donc des dessins normaux du Regult Missile Carrier. On voit que en fait la grosse différence qu'il y a avec la version 1,72 normale, c'est qu'au lieu d'avoir des petits canons ici à l'arrière, il a un support qui permet de tenir donc des lance-missiles. Et sinon, il a toutes les autres fonctionnalités du Regult qu'on attend, hein, donc de lui, donc comment dirais-je, certaines souplesses dans les jambes. Par contre, je ne vois pas d'image montrant l'ouverture du sas. Il me semblait que c'était le cas. On verra à l'intérieur. Bon, sur les côtés, il n'y a rien de particulier. Là, c'est assez étonnant. Je ne sais pas ce qui se passe chez Segawa. On a des images un peu plus grandes que d'habitude, mais enfin, la qualité n'est pas géniale. Et puis, bon, il faut quand même bien reconnaître que la majorité des scènes faisant figurer des régules dans Macross, ce n'était pas toujours la joie. Mais là, on voit donc effectivement donc le Zentradi qui sort du Regult, je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou le troisième épisode. Et voilà, on voyait un petit peu la taille et des engins et des Zentradi. Voilà. Et sinon, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir le prix là, mais donc a priori c'était 3200 yens quand c'est sorti, mais c'était nettement moins cher quand je l'ai eu sur HLJ. Voilà. Donc écoutez, maintenant ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors on va commencer par la notice de montage. Alors déjà, très très belle photo de ce Regult en vol. Voilà. Et déjà, rien que cette photo me rassure énormément sur les choix de Segawa concernant ces petites lentilles qu'on était obligé de peindre sur les modèles au 1 centième, et je dirais même que en fait ces détails-là étaient manquants
pour certains modèles. Alors je sais plus lequel, si c'était le standard ou les missiles carrières. En tout cas, j'avais dû batailler un petit peu pour rendre un effet en peinture. Voilà, à l'époque, j'avais pas osé mettre de petits cabochons. Maintenant, c'est ce que je ferais. Le fait est que très très belle photo. Notice dépliable. Avec ici, on va voir si ça va me remplir de plaisir. Il y a effectivement plein de pièces en trop en gris, mais il s'agit essentiellement des supports pour tenir le kit, des supports qui sont maintenant tout à fait standard chez Asegawa. Et là, je vois très très peu de choses. Là, je pense qu'il y a peut-être un canon qui correspond au mode standard et peut-être quelques polycaps, pas grand chose quoi. Donc ici on commence par les pieds. Alors il me semble que pour les 1 centième c'était assez creux, là ça ne l'est pas et tant mieux, hein. De toute façon de la part de Asegawa ça aurait été un petit peu étrange, mais les pieds, ensuite les jambes, voilà. Là on attaque donc le cockpit, la tête du Régulte. Donc là, je constate qu'il n'y a pas de moyen d'ouvrir le sas du cockpit, contrairement à ce qu'il est possible de faire sur le modèle 172 de Imai, le kit vintage. Là, on a, moi j'appellerais ça les oreilles du Régulte, mais en fait c'est les réacteurs. Là, on a enfin donc sans doute les caméras, la partie optique. On a quand même les supports pour tenir la partie sas, et enfin on a la partie qui permettra de tenir et les jambes et la tête ensemble, voilà. Et là l'armement, les canons. Alors je suis assez étonné par contre, les canons ici sont quand même en deux parties, ça m'étonne un peu. Sinon là c'est en une partie, mais vu la taille c'est normal. Là on a donc la partie lance-missile, qui est vraiment la particularité de ce Régulte. Et enfin il montre comment placer le support pour le faire tenir en position de vol. Là on a des images en couleur pour à la fois le guide peinture et le placement des décalcos, et c'est juste superbe, d'autant que voilà, si je vous montrais ça serait bien. Là on a un abécédaire, un alphabet avec donc les lettres correspondantes au langage entradien, y compris les chiffres. Donc ça c'est vachement cool, d'autant que effectivement on a là un choix pour la planche de décalcos assez imposant, assez impressionnant, et ça permet de vraiment j'allais dire customiser son Régulte si j'ai envie de mettre en entradien Yvan sur le côté. C'est possible. Mon nom complet ça serait un peu plus compliqué, donc même là vous voyez Régulte, ils le mettent là en entradien, donc c'est vraiment très très cool. Une très très belle maquette. Donc maintenant on va voir les pièces. Désolé, je vois rien de mieux pour l'instant que de vous les sortir du carton les uns après les autres. Les pièces toutes seules sont vraiment magnifiques, c'est vraiment du beau boulot. Tout est fait justement pour faciliter le travail de peinture, puisque on peut séparer les pièces qui sont d'une certaine couleur ou quoi, et ça c'est vraiment cool. De même là, par exemple pour les missiles, les pointes rouges, on pourra les faire à part, et il n'y aura pas à se soucier de mettre du noir en dessous, ce qui a toujours été un peu compliqué sur les maquettes vintage. Là on a deux grappes équivalentes pour les missiles, et vous voyez que donc je sais pas si on peut appeler ça des éventes ou quoi, mais là à l'arrière c'est creux, ça aussi c'est bien.
Je sais pas ce que ça montre à l'intérieur du coup, mais c'est creux, donc ça c'est bien. Ça c'est donc les missiles, donc on pourra peindre en rouge, mais là par contre il faudra enlever les petits bouts de la grappe avant, hein, parce que sinon ça se verra un peu. Mais ça c'est vraiment cool. Ça, pareil, deux grappes équivalentes pour les jambes. Là vous voyez que c'est dans un gris assez foncé. Pour le pied ça va, pour le reste de la jambe j'ai pas souvenir que ce soit aussi foncé, mais qu'importe, encore une fois dans le dessin animé les couleurs changent continuellement d'une scène à l'autre, donc on s'en fiche. Hop là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des éléments de structure du cockpit. Là encore une fois c'est par deux, hein. Donc des éléments avec à la fois des éléments pour les jambes et pour les réacteurs sur le côté du cockpit, et d'autres éléments de structure. Hop, vraiment très beau. Le peu de détails qu'il y a sur le régulte, bah, c'est là. On peut éventuellement en rajouter si on veut, mais je pense que ça serait un peu surfait. Et là, donc, l'autre pièce grise dans l'intérieur du cockpit et le dessous du cockpit. Je sais plus si ça c'était d'une certaine couleur ou non. Là on a un très très beau bleu gris, j'aime bien cette couleur, pour donc les côtés du cockpit, la tête du régulte. Et là pour autant je disais que il n'y avait pas moyen d'ouvrir le sas. Il y en a la possibilité quand même, on n'a pas besoin de tout découper, ça n'est pas le cas sur la maquette elle-même, mais il nous en laisse la possibilité visiblement. Par contre là les petits machins normalement, donc c'est là où il y aurait des petits cabochons pour moi, mais faudra que je vérifie au moment où je monterai tout ça. Hop, encore des trucs presque en double, je dis presque parce que ça c'est en double, ça ça n'est pas, et donc ça c'est le reste des canons et des jambes. Donc ça c'est pour les pièces opaques, mais il y a de belles surprises aussi pour les pièces transparentes, et il y en a un paquet, et il y en aura encore plus pour la version scoop type. Alors là j'ai laissé dans le sachet pour les y remettre ensuite, mais vous voyez, donc ça c'est pour le support du régulte, donc en transparent ça autorise quelque chose d'assez comment dirais-je, discret pour le faire tenir. Sinon les fameux petits cabochons que j'appelais de mes voeux pour des détails à droite à gauche sur le régulte, j'imagine que sont des caméras, des senseurs ou quoi. Et enfin là pas transparent du tout, c'est tout simplement donc les pièces d'articulation en caoutchouc, on va dire. Voilà, donc voilà, on en a fini avec les pièces du régulte. C'est, même sans le monter je le vois, un très beau kit. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler dessus, mais ça sera pas pour tout de suite. Et voilà, je suis très content de l'avoir parce que, bah, très sincèrement, je pense que ça fait partie malheureusement des kits où si on les prend pas rapidement, ça va disparaître et ça sera pas nécessairement réédité comme ça a pu l'être pour pas mal de kits, notamment liés à la série Macross de Asegawa, le SDF1 version série télé, par exemple, n'a pas été réédité, au contraire du SDF1 version film. Voilà, et d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, le régulte apparaît dans le film Macross de 1984, mais il est extrêmement discret et surtout il n'est pas dans ces couleurs-là. Mais on y reviendra concernant justement la peinture et les choix qui seront faits pour le montage de ce magnifique régulte porteur de missiles. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est
dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du Regult Scoot Type.